Monsieur. Monsieur. Monsieur, c'est la police. Qu'est-ce que la police peut encore faire? Mais ils sont démotivés, hein. Un policier n'ose plus rien faire. Hein. Non, mais monsieur, la caméra vous filme pas. La caméra vous floute. Vous ne serez pas visible. Vous inquiétez pas. C'est dangereux. Tu sors ce matin à 5h et un monsieur devant ma maison était agressé, donc ils l'ont pris sur le sac. Il y en a un qui est venu par derrière, avec une arme, il l'a tapé. Il était dans un état entre la vie et la mort. Het Brusselse Noordstation. Met hoge torens en kantoren langs één kant van de sporen en langs de andere kant een oude volkswijk. Een echte stationsbuurt waar prostitutie al meer dan 100 jaar is ingebed. Kleine criminaliteit is er altijd wel geweest. Maar vandaag trekken de bewoners aan de noodrem. Ça a toujours été un quartier un peu chaud, non? Ça n'a jamais été comme ça. Ça n'a jamais. Il n'y a jamais eu cette violence, cette agressivité. Il n'y a jamais eu ça comme ça. Tous ces illégaux, et surtout, il y a beaucoup les Algériens, ça, ils sont tous armés. Ils ont tous des couteaux. Entre eux, ils se battent pour le moindre truc. Ils sortent les couteaux, ils frappent. Il faut voir, hein, des fois, il suffit de venir le dimanche matin, faire une fois le tour et voir tous les endroits où il y a du sang partout. Et regarde ce que je ramasse ici, les bonbons de protoxyde d'azote. Regarde combien j'en ramasse sur la rue. Regarde combien il y en a. Mais ils deviennent complètement fous avec ça. Hein. Quand vous sortez, si vous voyez des gens avec des ballons, fouillez. Parce que ces gens sont tellement défoncés qu'ils agressent tout le monde. Pour un tout et pour un rien. Hein. Vous les croisez du regard, ils vous agressent directement. Simplement le fait de les regarder. Et qu'est-ce que tu veux? Bon, ils agressent. Sans arrêt. Erger dan het misbruik van lachgas is de crack-epidemie. Crackdealers en rokers voelen zich vogelvrij. Zwaar verslaafden roken de bewerkte cocaïne openlijk voor de huizen van de bewoners, maar evengoed onder de kantoren van de Brusselse ministers. Non, moi je ne sors pas sans avoir quelque chose en main pour me défendre ou pour défendre parfois certaines personnes. Vous pouvez le montrer. Ah oui, moi je voilà, pas de problème, hein. Je peux vous la montrer, hein. Je l'ai ici. Hein. Voilà, je l'ai. Hein. C'est comme ça que vous promenez dans les rues ici. Je suis obligé. La plupart des gens ici sont obligés. Ils ont quelque chose avec eux pour se défendre. Il n'y a rien à faire. Ils cassent les portes. Vous habitez ici, madame? Oui, madame habite ici. Hein. Et comme monsieur le décrit, le matin, même le soir, c'est... Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Hein. C'est incroyable, hein, les gens. Et ici, vous retrouvez 5 ou 6 consommateurs qui sont complètement défoncés. Là, ils ne laissent pas madame rentrer. Voilà, ils cassent. Et puis, si madame veut rentrer, elle doit donner de l'argent pour pouvoir passer. Moi, je sors à 6h, les gens dorment ici. Ils cassent les portes, hein, ils sont complètement défoncés. Ils dorment et alors ils pissent, ils chient dans les halls, là, ils cassent les... Voilà, tout. C'est en permanence. Il n'y a que des drogués, hein, surtout. Hein. C'est la drogue. Oui. Rien à faire, on ne sait rien changer. Hein. Et les bagarres tous les jours Les bagarres, même si la police passe. Ouais. Ils ne s'arrêtent même pas. Quand je les appelle, ils ne viennent même pas. Ils viennent plus. On envoie une patrouille, mais ce n'est pas vrai. Ah oui. Ben, quand tu t'es fait agresser, là, et qu'ils avaient cassé la porte ici, là, même les riverains en face, les gens là, ils criaient pour les faire dégager. Madame a appelé la police. Combien d'heures après ils sont venus? 2 heures. 2h15, exactement. On a chronométré. De politie is wel degelijk op pad in de wijk. Dag en nacht. Soms heel aanwezig en in uniform. Of zoals nu met ons erbij, in burgerkledij. Zo onopvallend mogelijk op het terrein. Ja, het is vroeg, maar op elk uur van de dag kan er eigenlijk iets gebeuren. Zowel diefstallen met geweld, wat dat wel zeldzamer is... Puur zo vroeg overdag, maar alles wat dat verkoop is van verdovende middelen of die geneesmiddelen die onder voorschrift zijn, dat gebeurt regelmatig. We zijn op stap met Gregory Stalens. Hij leidt een uitzonderlijke politietaskforce. Die is deze zomer opgericht specifiek voor deze wijk. Om gebruikers, dealers en geweldplegers op heterdaad te betrappen. Als we een controle doen en het is negatief, dan verbranden we ons. Ja. Verbranden, dat wil zeggen dat we eigenlijk gespot zijn in de wijk. En dat gas naar rond. En dan is het gedaan. Dan gaan de gasten niks meer pakken, sowieso. Dus we gaan hier oversteken. We zullen onder de brug gaan staan. Toi, t'as visu sur le café, c'est ça? C'est lequel? C'est le rouge?
Ouais, si on n'est pas sûr, on va pas intervenir. Die gekende verkoper is hier gepasseerd. Dus daarmee dat ik mij dat gezegd heb van we gaan ons een beetje verder zetten, dan heeft hij geen zicht op ons. Als hij ziet dat er te veel mensen zijn die niet in de wijk horen, gaat hij ook misschien niet meer verkopen. Terwijl we straks misschien effectief een verkoop kunnen vaststellen nog eens. En dan kunnen we hem nog eens oppakken. Het schaduwwerk is een intensieve operatie die veel middelen en mankracht vraagt voor de politiezone Noord. Maar het levert resultaat op. En ook opvallende vaststellingen. Hier zijn nieuwe gezichten, zeker bij de dealers. U spreekt van Algerijnen die nieuw zijn op het terrein. Zij worden vanuit Parijs opgestuurd om de Olympische Spelen voor te bereiden. Ja, effectief zijn er collega's die melden dat er mensen vanuit Frankrijk waarschijnlijk weggestuurd zijn naar andere oorden. En Brussel is daar blijkbaar één van, voor hun ook in ieder geval. En dat is mogelijk in voorbereiding van de Spelen. Ja. Terug op stap met Joe van het buurtcomité dat aan de alarmbel trekt. Les carreaux sont cassés. We krijgen spontaan een escorte van de lokale stadswacht. Onze camera is gespot en niet iedereen apprecieert onze aanwezigheid. Les gardiens de paix sont avec nous. Oui oui, c'est toujours mieux hein, parce que tu vois bien, tu as vu la réaction hein. Oui. Tu as vu la réaction directement, ils lancent des canettes. Voilà, regarde la porte du commerce ici. Tu vois? Tous les éclairages sont cassés. Tu vois? Regarde, toutes les vitres sont taguées, les portes sont défoncées, sur tout le long. Là, il n'y a plus un seul commerce ouvert. Plus un seul commerce ouvert. Il y a 3 ans, il y avait des commerces et des... Voilà, il y avait ici un grand Bricot, il y avait un grand Deleuze. Les dealers, ils viennent ici, pourquoi? Ils sont pas en train de... Plus. Ils croient qu'ils sont en terrain conquis ici. C'est eux qui font la loi, c'est eux qui imposent leur volonté. Pourtant, le commissariat est juste en face. Le commissariat est juste là. Hein, oui. Et une fois une certaine heure, il n'y a plus de policiers non plus, parce qu'une fois une certaine heure, ils n'osent plus sortir. Hein. Ils n'osent plus sortir. De politie ontkent dat ze niet altijd buiten durft. Alleen kunnen ze niet altijd overal tegelijk zijn. Verdachten om op te pakken zijn er genoeg, maar het ontbreekt aan tijd en middelen. Wat? De buit van vandaag, 2 doosjes Lyrica die illegaal worden verkocht. Antidepressiva aan €50 per doos. Dit neemt sowieso remmingen weg. Dus mensen bevinden zich in een bepaalde toestand door het gebruik hiervan. Je gaat veel rapper overgaan naar het plegen van bijvoorbeeld een diefstal. Wat we ook effectief hebben gemerkt. Er zijn mensen die diefstallen plegen, die regelmatig onder invloed zijn van dit soort geneesmiddelen, waardoor dat ze eigenlijk alleen nog maar gefocust zijn op hun slachtoffer. Met deze bescheiden vangst is het hele team van de taskforce nog uren zoet. Ondervragen, soms met tolk en advocaat, foto's, vingerafdrukken, veel telefoneren en typen. Voor een eventuele veroordeling is elke stap cruciaal. On va faire 10 mètres ici sur le coin. Hein? Non, non, il n'y a pas de problème. On va rester de ce côté ici. Pour voir les portes de la gare là, qui pour la deuxième fois sont tout à fait démolies. On prend trop de risques, monsieur. Vis-à-vis d'eux, je pense que ça commence à être limite parce que le bruit va commencer à circuler. Ah oui. Ben, on est devant le commissariat quand même. Oui. Oui, mais on va pas aller tellement plus loin qu'ici. Hein. Donc voilà. On va voir là ici. Et pourquoi on essaie de casser? C'est pour voler par ou... plaisir. Par plaisir. Hein. Oui, par plaisir. Une fois qu'ils sont défoncés. Voilà. Ça, c'est l'entrée principale de la gare du Nord ou... Il y a des gens qui descendent des hôtels, qui arrivent ici et qui voient ça. Ils sont... C'est quand même grave. Hein.